Est-ce qu'on consomme tous la même quantité d'énergie? Non. Dans certains pays, il est normal d'éclairer des vitrines toute la nuit, alors que dans d'autres, il n'y a même pas de quoi s'éclairer plus de 2 heures chaque soir. Un Américain consomme en moyenne 2 fois plus qu'un Européen, qui consomme 30 fois plus qu'un Bangladeshi. Si certains pays consomment très peu d'énergie, c'est parce que la plupart des gens y sont pauvres et que les réseaux de distribution d'énergie y sont presque inexistants. Les personnes qui vivent dans ces pays rêvent de pouvoir, elles aussi, avoir un confort minimum, par exemple une habitation décente, de l'éclairage ou de l'eau courante. De plus, dans le monde entier, les gens veulent avoir toujours plus que ce qu'ils ont déjà. Et pour chaque objet supplémentaire, cela signifie également plus d'énergie consommée. Que se passerait-il si on partageait équitablement l'énergie entre tous les habitants de la planète ?